Et bonjour à tous et à toutes, je suis Alice et bienvenue pour la suite de Breath of Fire 2. Le son est un petit peu fort pour moi. Voilà qui est mieux. Dans le dernier épisode, après être allé à Hofer, nous sommes retournés à Musica. Nous avons enfin pu discuter avec les habitants de cette ville et on nous apprend que la princesse qui se trouve juste ici est enfermée dans son rêve. Elle est dans un sommeil éternel, blablabla, ne peut plus dormir et elle est grosse. Parce que c'est une princesse, c'est évidemment le cliché un petit peu trop surprotégé qui fait tout ce qu'elle veut qu'on lui ordonne. Nous avons récupéré Michel le magicien. Enfin, l'ancien magicien, et il nous a dit bon, je vais l'aider, vous m'amenez au matos, vous m'amenez un champignon sur le mont Maori, et allez, c'est parti. Donc là, nous allons aller dans la princesse pour la libérer du mal qui la ronge et qui l'empêche de se réveiller. Ça me rappelle un truc que j'ai déjà fait avec, je crois que c'était la baleine. Alors, nous allons combattre la mauvaise graisse, parce que évidemment, lol, hein, le gras. Donc, on y va, on va voir un petit peu comment c'est. Oui, je suis prêt, Jean-Michel. On va combattre le gras. Allons-y. Doublage, jeu d'acteur. Voilà, alors c'est les mêmes sprites que pour la baleine. Je ne suis pas choqué. Si ce n'est qu'il y a un petit filtre rose un petit peu dégueulasse. Du coup là il me dit que je suis où? Je suis haute gauche. Si tu le dis le jeu. Si tu le dis. Ah, combattons de la graisse. Et des nutriments. De la pepsine. Ah, des éléments du corps humain. Ça me pâtique. Et non, je garde mon équipe. Parce que c'est comme ça. J'ai la flemme de changer. Et j'ai sûrement oublié. Niveau 26, cool. J'ai sûrement oublié de racheter des objets de soins. Ce qui est possiblement le cas. Ça va. Ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Et j'ai oublié de me soigner, mais ça c'est un détail. Écoutez, monsieur, s'il vous plaît, respectez-moi. Alors, si je vais par là. De toute façon, je peux rentrer et sortir, donc, si besoin, je farme. Et je ferai des coupures, évidemment, pour vous. Là, je ne sais pas du tout où je vais. C'est pas grave. Pas grave du tout. Ah! Alors, non, reviens. Des hémoglobines, très bien. Des leucocytes. Et d'accord. Et ben, voilà. On va faire comme ça pour tout le monde. Deux critiques. Pas mal, pas mal du tout. Ça a l'air d'être des ennemis assez faciles. Et ça rapporte un max d'expérience quand même. Ça rapporte beaucoup beaucoup d'expérience, donc il y a peut-être moyen que je farme un moment. Parce qu'en plus je peux entrer sortir comme je veux. C'est un spot intéressant. Pas grand chose à dire, je dois bien vous l'avouer. C'est quand même 2000 d'XP. Divisé par 4, ça fait quand même. Fait quand même pas mal pour chacun. Ah, là je suis autre part. Je suis en bas à gauche. Ok, c'est un labyrinthe. C'est une sorte de labyrinthe. Ça va être potentiellement chiant. Et là ça ne bouge plus le décor, vous voyez, donc je vais être sur un truc stable. Et je vois qu'il y a quelque chose en bas. Ah, la graisse. Ah bah.
Je sais pas, j'ai fait un petit peu au hasard, puis je suis tombé là où il fallait. C'est cool. Putain, par contre, la graisse... résistante, ta graisse, hein. Mauvaise graisse, ça. Ah ouais, très résistante, cette graisse. 6000 d'XP, d'accord. C'était pas la graisse principale. Mais quand même, 6000 d'XP, je sais pas si vous vous rendez compte quand même. Le prochain level, ce sera peut-être... ah, ça se joue entre Sten et Nina. Bon alors, Ryu, je n'en parle même pas de Ryu parce que bon, héros principal. Là, il y a quelque chose, j'ai l'impression, non? C'est moi ou il y a quelque chose? Attaque surprise. Parfait. Paf. Non, là c'est juste y a rien. Ah, j'aurais cru qu'il y avait quelque chose. Bon, a priori, j'ai tué de la graisse. Est-ce que c'est une bonne chose? En haut à droite, ok. Si je vais par là, je vais en haut à gauche. Alors, ça bouge à chaque fois. Je me demande si c'est pas un indice sur l'endroit où je dois aller. Je vais tenter. Peut-être que je me trompe. Trompe. Mal à parler. Et là, il faudrait que j'aille à droite. Et en bas. Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? Encore en bas. C'est là d'où je viens, là, non? À moins qu'il y ait quelque chose. Je sais pas où je vais. Je vous le dis, je sais pas trop où je vais. En tout cas, je suis passé de rouge à bleu. C'est pas mal. Bon, essayons de réfléchir. Je suis en haut à droite. On va aller. On va aller. Je sais pas. Ah, une cellule de graisse. C'est peut-être ça que je dois tuer à force. Parce qu'ils me disent qu'il faut détruire la mauvaise graisse. Ou alors faut farmer jusqu'à trouver la graisse et là ça va être un petit peu énervant. Ah bah d'accord. Bon bah fini. Oui, oui, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Ah non, il me dit juste... ok. Donc là, j'ai tout le côté gauche qui est amaigri. Je pense que ça doit être ça. Par contre, ah, là, par contre, peut-être falloir que je fasse attention. Ça commence à se compliquer un peu. Je vais tenter des sorts, du coup. Je l'ai un petit peu, mais je suis sûr que c'était le côté gauche de la princesse qui était plus aminci que le droit. Parce qu'en fait, le filtre rouge et bleu, ça correspond à au côté de où je suis. Alors, est-ce que le vent a un effet sur ses ennemis? Moyen. Très moyen. Donc là, je vais aller à droite. Je ne pense pas qu'il y ait de loot dans cet endroit. Simplement parce que ça
Ça a pas l'air en fait. C'est... Non, là, la graisse, je l'ai. Là, je suis sûr, c'est le côté droit que je dois aller. Voilà, là, je suis côté gauche. Oh, la droite et la gauche sont inversées. Au secours. Ah, mais au secours. Pas beaucoup de rencontres. Je vais pas me plaindre. Là pour le moment j'explore, je sais pas trop où ça va me mener tout ça. Ah, ok. Ok. Ah, je pensais avoir trouvé quelque chose. Déçu. Mais je suis en train de défoncer son système immunitaire par contre. Ok. Donc il faut que je trouve des zones avec des pas sans issue, que je fasse un combat pour que ça ait une incidence. C'est là d'où je viens, ça j'en suis sûr, c'est là d'où je viens. Ok, donc je commence à voir ce qu'il me demande. Ça, c'est un combat qui me servira pas. C'est là d'où je viens, n'est-ce pas? Yes. Ok. Donc là, c'est sûr, c'est là d'où je viens. Donc, j'ai fait ici, sur certains. Faut vraiment que j'explore de fond en comble le corps humain. Je pourrais renommer cet épisode, il était une fois la vie. Enfin, il était une fois le corps humain, plutôt. Du coup, l'indicateur du truc, là, du filtre, ça sert un petit peu à rien. Du coup, là, il faudrait que j'aille ici. Vu que c'est un endroit que j'ai pas fait. Pas ici. Non, l'autre côté. Essayer d'éviter de me perdre. C'est Sten qui a pris l'XP en premier. Est-ce que j'utilise un soin bleu? Non. Je sais pas trop où je vais là. Je teste des trucs. En tout cas, ça XP bien. Et ça, c'est une bonne chose. Je vais aller tout en bas. Mais arrêtez de prendre 4 en première. Oh là là. Pas énervant ce que vous faites. Oh là là, ça XP tellement bien. Ah bah voilà. En fait, il faut faire des combats pour. Oui. Ok. Donc en fait, c'est ça. Il faut faire des combats pour que ça marche. Ce qui en soi n'a aucun sens. Quand même, parce qu'ils nous disent détruire la graisse pour que ça aille mieux, et au final, je combats ce que je trouve dans mon chemin. Il y a un petit manque de logique là. Il faut le noter, il faut quand même le noter. Par contre, bon, l'XP, ça,
ça, tout va bien. Qu'est-ce qu'on a ici? On a complètement autre chose. Moi, je sais pas, là actuellement, je sais pas trop où aller, donc j'explore. J'attends de tomber sur des combats. Je viens de faire un tour. C'est amusant. Amusant que tout cela, je l'ai à gauche. Ah bah voilà, de la graisse. C'est tout ce que je voulais, moi, de la graisse. Puisque c'est ce qu'on me demande d'éliminer. Voilà, mais pourquoi 4 Arrêtez. Et évidemment, allez, un petit coup fort. Allez. Paf, la graisse c'est fait. Et les leucocytes éliminés un par un. Je m'attends à ce qu'il y ait quand même un petit boss. Je sais pas pourquoi. Non, toujours continuer. Ok. Un petit objet quand même sur Sten. Y a quoi ici? Je suis sûr que je suis en train de tourner en rond. C'est même fort possible. T'as non à la gauche. Ah, j'y suis pas allé là. J'ai trouvé un autre endroit, mais c'était à droite, le couloir. Ah, souffle le feu, tiens. V'là un sort que j'ai pas vu. Intéressant, intéressant tout ça. Ouais, est-ce que c'est terminé là? Semble-t-il que non. Là, il n'y a rien. Peut-être falloir que j'y refasse un tour. Non, ça je suis déjà venu. Bon, maintenant il faudrait que je trouve le centre, en gros. Donc là, je sais que ça mène à des cul-de-sac. Jusque-là, ça se tire. Ensuite, si je prends à gauche, ou alors c'est symétrique. Il y a un côté gauche et un côté droite symétrique. Mais dans ce cas, le centre, je l'ai déjà trouvé. Sauf que dans ce centre, bah, j'ai déjà battu la graisse. Ça riposte tellement fort. Alors, ou alors il y a un endroit que je n'ai tout simplement pas vu, que j'ai dû zapper à un moment ou un autre. Ce qui là aussi est possible. Attendez, non, milieu, tiens.
mettre un petit peu de flamme sur les graisses. Pour faire fondre la graisse. Ça me semble logique. Ah, même pas. Non, par contre, je vais sortir après ce combat et faire un petit tour pour me soigner. Ah non, ça a l'air d'être bon. Ah, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Ah, il me manque encore. Ouais, je vais utiliser le miroir et puis un aller-retour que je vais skip. Pour me soigner et prendre un petit peu plus d'objets. Utiliser le miroir. Que voulez-vous faire? Regardez, je peux faire ça? Nous avons presque fini, mais si nous arrêtons maintenant, cela reviendra. Ah, d'accord. Essayez de faire un peu mieux. Mais... Ah, on vient de me dire concrètement, t'arrêtes pas, connard. Hein? Ok, ok. Très bien. On vient de me dire concrètement, faut pas t'arrêter, sinon tu recommences. Ce qui veut dire que c'est un très bon endroit à faire, mais cet endroit je le connaissais pas, donc mince, je pensais arriver à la fin. J'explore hein, en attendant. J'avoue que c'était un petit peu long, j'ai 20 minutes. J'attends que les combats arrivent. Et là je suis où à peu près? Je suis en bas à droite. Bah, je peux aller encore plus bas à droite. Hein. Enfin, ils disent bas à droite, mais je pense que je dois être en bas à gauche plutôt. Il n'y a plus trop de combats là. Que je le dise pour tomber sur de la graisse. Yeah, trop bien. Nina, ma petite Nina, écoute, on va utiliser ah oui, c'est vrai que j'ai un pouvoir sacré, on va le tester. J'avais gagné ça lors d'un level up la dernière fois. J'ai envie de voir ce que ça fait. D'accord. Très bien, Nina. Bah pourquoi pas, écoute, hein, j'aurais dû utiliser vent 2. On va essayer au moins d'en tuer un seul. Voilà, déjà ça. Je suis pas bien sûr de ce que ça fait en fait, ange. Peut-être qu'il y a un effet contre un type de monstre particulier, genre les morts-vivants. Mais là, non. C'était nul en fait. C'était un petit peu décevant, je reconnais. Nina, bon. Bah voilà, flamme. Flamme 2. Ça le fait ça, flamme 2. Ah, il y en a un qui. Ah bah, les deux fuites. Deux fuites, très bien. Alors que c'était du 6000 par graisse. C'était un combat qui était important pour moi. Et là, je suis en bas à gauche. Ok. Donc, si le but du jeu, en fait, c'est de faire toute une explo qui sert à pas grand-chose... ah, c'est quand même réussi. C'est quand même réussi. Non, bah, finalement... En fait, ça doit être là, le milieu. Le milieu, il doit être à peu près ici. Je pense que s'il y a des personnes qui étudient le corps humain et qui sont en train de se bouffer les dents en se disant mince, qu'est-ce que c'est que ce jeu qui ne respecte pas les proportions et les zones du corps? Bah écoutez, moi non plus je ne comprends pas. Donc là clairement en fait c'est un vulgaire... oui c'est ça, c'est un vulgaire pliage. On fait une zone et il faut deux zones, ok, on plie en deux. On fait copier-coller et on met un petit filtre rouge et bleu.
Ça les différencie, c'est lol. Par contre, c'est long. C'est très très long. Putain, je suis jamais venu ici. Oh, je suis jamais venu ici. Ah, ok. Ça me ramène là. Qui me ramène ici? Ok. Et ben c'était intéressant à savoir. Peut-être. Allez, attaque surprise. C'est de l'XP gratuit. Double A. Ah, Nina prend Ange et mort. Bon bah j'ai Ange et mort. Alors on fait voir ce que ça fait mort. Pouvoir sacré, pouvoir de mort. 1. D'accord, ça le mérite d'être clair. Il est là le milieu, il est forcément là le milieu, c'est pas possible autrement. Non mais ici c'est la seule zone, mais c'est pas au droit de ça, te fous pas de moi. C'est la seule zone ici où normalement devrait y avoir quelque chose. Ça pour moi c'est le milieu, c'est le cœur. Ça peut pas être autre chose ou quoi. Je sais pas vous. Et si on me dit, oh mon Dieu, il y a quelque chose, vite, atteignez le milieu, bah c'est là. C'est là et pas ailleurs. Là, je fais que marcher que depuis un moment. Il n'y a rien d'autre. D'ailleurs, c'est un petit peu long, hein. J'espère que vous ne vous ennuyez pas trop quand même. Ouais, passionnant. Et là, je reviens pour la peut-être quatrième fois de là où je suis arrivé au début. Eh ben. Bah moi qui me plaignais des combats dans les épisodes d'avant. Là on est à l'extrême opposé. À moins qu'il y ait un truc que j'ai mal fait, genre il y a un trigger, un machin, un bidule, je ne sais pas. Alors Nina, si Nina, quand même, tu as des sorts, utilise-les.
je suis quand même curieux de savoir ce que tu as fait. Hein? D'ailleurs, le public veut savoir. La France veut savoir. Est-ce que déjà tu vas survivre? Alors. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as pris un sang pareil. Je vais peut-être lire le wiki du jeu après. Ça me paraît pas mal. Ah. Ah, cette partie est parfaite. Cette région est maintenant débarrassée. Faites les autres de cette façon. Cette partie, tu veux dire le côté droite? Je pense que c'est ça, faut faire un côté puis l'autre. J'espère ne pas me tromper. J'espère vraiment ne pas me tromper. Parce que c'est long. Ah oui d'ailleurs, tiens, j'ai pas pensé, mais faudrait peut-être que je me soigne. Au moins 4. Hein, et Ryu avec un petit soin bleu. Ouah, 4, ça va. Elle peut encore survivre. Elle peut encore prouver qu'elle existe. Oh, par contre, c'est super long. C'est long de ouf. Si je tourne en rond, ça change rien. Bah non, ça a pas l'air. Ah bah ça a sûrement l'air de rien, j'ai surtout l'air débile. Putain, qu'est-ce que je m'amusais là, je retombe que de l'autre côté. Yes, c'était pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce qu'on s'amuse? Là je... Waouh, le fun. Non, faut pas que je retourne de ce côté. Oh là là. Ah, déjà un peu plus d'une demi-heure, hein. C'est un peu long. Je suis tenté d'accélérer le jeu, sauf que vous allez voir des informations et c'est pas cool. C'est à se demander comment les personnes qui font les speedruns du jeu se débrouillent. Ça va être vachement aléatoire et vachement chiant cette partie-là. J'ai des réflexions comme ça, ça me traverse l'esprit des fois. Mais comment font-ils? Quel est leur secret? Yeah! Allez! Moi j'y crois. Ah, allez, dis-moi que c'est bon. Cette partie est parfaite, cette région est maintenant débarrassée, faites les autres aussi.
Bon, ça c'est fait. Alors, cette partie est parfaite, donc. Ok, j'ai fait tout le côté droit. Là, on est sûr et certain. Ah! C'était long. Pardon. Excuse-moi. C'était long et chiant, et je sais même plus où je suis, je me suis baladé partout. S'il y a un combat de boss à la fin, je cassais un truc. En bas, en gros, je sais pas où je suis, je suis où. Ah! Ça y est. Alors, j'ai passé, je sais pas, 5, voire 10 minutes. Puis je pense avoir eu une illumination, c'est qu'il n'y a que dans cette zone que je trouve des mobs. Mais je pense que je vais vous couper plein de passages où il se passe rien. Non, attends. La pepsine en premier. Oh mais qu'est-ce que c'est que ces stats incroyables de Rez? 13 000 d'XP! Allez, dis-moi que c'est terminé. Hey! You, vous avez fait un excellent travail! Je pense que nous sommes débarrassés de tout le mal! Attendez une minute, je vais vous laisser partir immédiatement! Incroyable! Hey, grâce à vous, la reine est sauvée! La reine ne deviendra pas un démon! Je n'ai pas été sauvé. Maintenant, je suis si maigre. Je ne peux pas bouger. MDR. Ne vous inquiétez pas, laissez-moi faire. Il est clair, vous avez perdu beaucoup de poids. Je tourne. Non. J'ai lancé un sort pour que vous regagniez quelques kilos. Vous devriez y aller bien maintenant. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé là? N'est-ce pas étrange? Non, tu n'es pas aussi bon que d'ordinaire, hein? Je suppose que tu peux pas te battre contre l'âge. Comment oses-tu? Ah, ça doit être trop dur pour toi de vivre sur une île à ton âge. Ah, pourquoi tu ne reviendrais-tu pas dans le château pour vivre avec nous? Après tout, nous avons besoin de toi pour aider la reine à récupérer. Maman! Ouah, ça me rend heureux! Ah, jamais imaginé que je pourrais revenir un jour, ah, dans cette région. Trop bien. Ah, tout cela, c'est grâce à toi, Ryu. Ah, je suis vraiment heureux. Ryu, je te remercie aussi. Et grâce à chacun d'entre vous, je ne suis pas transformé en démon. Moi, je suis un peu faible d'être devenu si maigre, par contre. Oula. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai, grâce à Ryu et ses amis, comme témoignage de notre gratitude. J'ai oublié la voix, j'ai oublié la voix. Ah, je serai la porte du coffre ouverte. Yes! Prenez tout ce que vous voulez. Je peux ouvrir la porte du coffre. Trop bien. Ah, faites attention pendant votre voyage. Super. Eh ben, écoutez, cet épisode s'intitulera Il était une fois le corps humain. Le corps humain, c'est une grosse race qui n'a pas de... Bah, pas assez d'anticorps. Et ses combats... long et inexistant. Cependant, reconnaissons quand même une bonne chose à cela, c'est que le farm était très 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 présent. Je suis sorti, c'est parce que je voulais faire. Puis alors le farm, alors en termes de monnaie par contre c'est réaliste. Le corps humain n'a pas d'argent. Casse-toi. La vie de ma mère, casse-toi. Casse-toi. Bon, retrouver la salle du coffre. Il me semble que c'était où?
Je suis sûr que je l'ai vu en plus, la salle du coffre. À un moment, je vous jure, je l'ai vu. Je vous jure que je sais où c'est. C'est passé ici. Nique-toi. J'en ai entendu parler. C'est un oreiller thérapeutique. Prenez-le. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends. Un oreiller thérapeutique. Ouais, ouais, ouais. Un oreiller. Qui pourrait avoir besoin d'un oreiller? Alors là, c'est la question. Il va falloir que je regarde les autres épisodes. Hein. Ou bien je regarderai la soliste. Chocolat. Je suis heureux d'être de retour dans cette région. En fait, j'ai comme l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah. Ça m'a laissé un vieil homme désagréable, mais ce n'est pas une mauvaise personne. Oui, donc nous avons décidé de lui pardonner. Très bien, madame. Je peux pas dire que maintenant j'ai un corps magnifique. Mais mon corps est maintenant plutôt beau, je vous remercie. Revenez nous voir. Eh bah écoute, oui. Bon, eh bah écoutez, moi je vais m'arrêter là. Hein, il était une fois le corps humain. C'était incroyable. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode qui sera sans doute cuté à mort. Je m'en excuse, mais j'ai pas le choix. Si ça vous a plu quand même, je vous invite à mettre un petit like, à commenter la vidéo si vous avez un truc, astuce ou ressenti par rapport au jeu, par rapport à cette phase que je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. De vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite des vidéos tous les mercredis à 15h30 sur cette chaîne. Et à me suivre sur Twitter et Instagram où je suis le plus présent. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Breath of Fire 2.